Alors, les fauteuils volants sont une ASBL qui vise l'intégration des personnes porteurs de handicap dans notre société. Tout récemment, on a construit ce bâtiment-ci, Yangada, dans lequel il y a 16 appartements ou studios pour 6 étudiants. Et les appartements sont divisés entre personnes comme vous et moi et entre personnes porteurs de handicap. C'était pour nous vraiment nécessaire de faire appel à CAP 48 parce qu'on avait un petit peu épuisé toutes nos réserves possibles et imaginables pour construire ce bâtiment. Et il fallait encore l'équiper. On était en train de gratter le fond des bourses, donc c'est sympa de pouvoir d'avoir eu cette occasion de le réaliser via CAP 48. Suite à notre première participation au crowdfunding de CAP 48, on a pu réaliser la cuisine. Ça permet de faire cet atelier cuisine donc 2 fois par semaine. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons refait appel à ça pour la salle de kiné qu'on désire équiper. L'argent va servir à aménager la salle kiné. On va mettre une baignoire thérapeutique. Ça va faire beaucoup de bien, et puis une table, enfin voilà, des choses tout à fait normales dont on a besoin dans une salle kiné. C'est vraiment important d'avoir cette salle de kiné aménagée, et donc on est super content et voilà, c'est super important. Merci beaucoup en tout cas. Alors on a fait des affiches, des mails, et sur Facebook, des vidéos en direct. Chacun des résidents invalides a fait un appel à tous ses amis Facebook. Et dans le côté direct, on avait justement ce côté spontané qu'on recherchait aussi. Donc voilà. Lancer une campagne comme ça, par nous-mêmes, serait très, très difficile. Donc c'est sympa d'avoir le soutien de CAP 48 pour le faire. Et puis, comme je dis, on atteint beaucoup plus parce que nous lançons ça par mail, par WhatsApp, via nos connaissances. Et on peut élargir le cercle. Et je vais prendre un exemple. Je suis allée pour soutenir, évidemment, Yangada via CAP 48. Et puis, j'ai trouvé d'autres associations dont je trouvais les projets sympas, que j'ai soutenus, que je ne connaissais pas. Je ne l'aurais pas fait autrement, puisque je n'y avais pas accès. Ce sont toujours des plus petites entités. Et voilà. Et donc, ça m'a permis de soutenir d'autres projets que sinon, auxquels je n'aurais pas eu accès ou dont je n'aurais pas eu connaissance. Nous avons récolté plus de 16 000 euros. Je pense qu'on est tous impatients d'avoir tout ça. Ouais. Et parce que l'été s'approche avec le baignoire thérapeutique, on peut s'aller un peu dedans parfois et tout ça. Ça va être chouette. Merci les gens.